We got our windows down, driving down the 405, sing along to the radio. We're gonna make it someday, nothing's gonna get in our way. We will be the biggest band in town. Round and round the world we'll go, putting on the greatest show. So make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be. Going on stage headline on a Saturday night. Ben, on est de retour sur les routes, sur la 138. On vient d'arriver dans Charlevoix. Puis là, ben, j'ai décidé de faire le tour avec, avec Adèle, des petites routes. Tout ce qui peut ne pas être la 138, puis qui est entre la 138 puis le fleuve. Là, ce qui peut nous rapprocher le plus possible d'un point de vue sur l'eau. Je conduis comme c'est là sur le chemin de la montagne à Saint-Tite-des-Caps. Puis on fait le tour tout à l'heure, on est allé faire une petite tournée dans le coin de Saint-Joachin et Cap-Tourmente. Tous des beaux petits villages à voir, mais que j'ai jamais pris le temps de visiter parce que je suis tout le temps trop pressé. Là, on prend le temps, on est en vacances, on a 2 semaines. Puis notre but ultime, c'est de se rendre à Kegaska, complètement au bout de la 138. Mais ça prend 18 heures. Si on voudrait, on pourrait se clencher ça dans une journée, mais on a quand même 2 semaines. Bien, ça fait 36 heures aller-retour. Bien, vu qu'on a 36 heures puis qu'on a 2 semaines de congé, bien, on va le faire tranquillement, pas vite. Puis on profite des petits chemins de travers. Puis on visite des noms, des villes qu'on voit sur la 138, mais qu'on n'a jamais pris le temps d'arrêter pour profiter du paysage. Mais là, on le fait. Tranquillement. Pas vite. On y va. Ouais, ben on arrive d'un spot qu'on a été voir sur iOverlander. Ça avait l'air d'être bien prometteur, mais on dirait que cette année, la situation va faire qu'on va falloir qu'on aille un petit peu plus loin que juste les applications. Il va falloir qu'on ose se magasiner des spots avec Google. Ça fait qu'on va essayer ça. Mais là, ça donne que j'ai croisé ma fille aussi qui fait à peu près le même road trip que nous autres. Puis on va aller la rejoindre à un petit coin, le chemin du vieux quai ou quelque chose comme ça. Mais de ce que j'ai vu avec la photo qu'elle m'a envoyée, c'est qu'on pourra pas coucher là, puis on peut pas faire de feu, rien. Ça fait que là, ça va être ça, je pense, pour nos 2 semaines. 200 piastres, ça fait quelque chose que t'as pas le droit. Hey! Hey! Ah ouais, c'est fou là. On s'est dit qu'au moins, hein, peut-être qu'on va runner et arrêter quand on va être écœuré. Eh boy, faut se donner de l'air. Ouais, puis le train de Charlevoix, un peu comme celui de du Manfred Magog. Ciao!
penses que ce serait un petit coin tranquille? Pas trop. Je sais pas. C'est un mystère, hein? J'ai faim. Qu'est-ce que tu veux manger pour souper? C'est un autre chat tomate. Que ce soit rapide. Ah, des sandwichs au jambon de bord. Barre noire. Ah. Avec la salade. La même. Un classique des vacances. Ouais, ben on a travaillé un peu pour trouver notre coin pour passer la nuit, mais c'est vraiment un cool spot. Tranquille, mais on s'est informé au voisinage pour savoir si on avait le droit de pouvoir séjourner dans le parking de cette petite église-là. Puis le monsieur, il était bien smart, là, il nous a dit que pas mal à tous les jours de ce temps-ci, il y a tout le temps quelqu'un qui passe la nuit là, puis je me suis quand même informé, pas prendre de chance non plus, puis choquer les voisins, puis après ça, justement, là, on sait comment ça se passe, on se fait barrer les lieux, ça fait qu'on reste poli, on est peut-être en profiter aussi, comme une philosophie du « leave no trace » de « tant qu'à passer dans le coin, on se ramasse nous autres », mais il faut des fois aller un petit peu plus loin, puis ramasser les autres aussi, là, tu sais, des... ouais. On le voit, des petites cochonneries là, ici, là, un peu partout. C'est pas grand-chose, là, mais c'est le genre de choses que quand que les voisins sont là puis qu'ils passent dans la rue, qu'ils voient des déchets, ça les écœure un peu. Ça fait que on va être smart, puis on va ramasser les autres qui sont pas capables de se ramasser. Puis laisser une belle impression, puis pas perdre ces petits coins-là, parce que de ce temps-ci, c'est difficile pour ce qu'on fait, nous autres, là, du boomdocking. Fait que on s'aide un peu en ramassant les autres. Puis je pense que ce serait une bonne idée de partager cette petite vidéo-là, justement pour faire la promotion du Leave No Trace, puis en même temps, ramassez-vous, puis ramassez les autres. Fait que c'est ça.